Alors après l'alimentation, après le luxe et le textile, on fait un peu un pas de côté, on prend un peu d'ampleur et on va parler de l'emballage zéro carbone. Est-il possible ? Pour en parler avec nous ce soir, Nora Letouet, bonjour. Vous êtes la fondatrice et la dirigeante de Nolidju. Bonjour Laurence, oui. C'est ça. C'est ça. À vos côtés, Wanel Régnier, vous êtes fondateur et le dirigeant de Sampac. Oui. Bonjour. On verra plus tard ce qu'est Sampac. On retrouve Guillaume Gibault, le slip français. Rebonjour. Rebonjour. Et à vos côtés, Martin Calmette, vous êtes le cofondateur de Eco Impact. Bonjour, merci. Alors, comme pour la table ronde précédente, j'ai quelques chiffres qui vont peut-être vous faire réagir, mais que vous connaissez sans doute. Selon les dernières données de Citeo, en 2021, chaque Français a trié 69 kilos d'emballage ménage et papier. Au total, c'est 3,8 millions de tonnes, soit l'équivalent de 2,2 millions de tonnes de CO2. Est-ce que c'est des chiffres qui vous font peur ? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est les chiffres qui nous font peur ? Oui, oui. Alors, du coup, je vais présenter rapidement, ça ne vous dérange pas, la société Eco Impact. On va y venir après. Ah, d'accord, d'accord. Donc oui, c'est des chiffres qui nous font peur, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut passer à l'action et que cette thématique que vous proposez est clé. Parce que, effectivement, on est dans une économie linéaire de je produis, je consomme et après je jette. Et on sait tous que ce n'est pas soutenable dans un monde fini. Donc nous devons absolument changer la manière de faire. Et c'est pour ça que des initiatives comme ce dont on va parler sont importantes. Alors, Eco Impact, puisqu'on va y venir. Parmi les façons de recycler, il y a le verre, notamment. Et le verre, est, alors on le sait, sur, les restaurateurs ont le verre consigné, mais pas le consommateur. En tout cas, on l'avait avant, pour ceux qui l'ont connu. Et le verre, on le voit aussi avec la crise en Ukraine, avec les problématiques de matières premières. C'est un vrai problème pour les professionnels qui se servent du verre, hein, notamment les vins et spiritueux. Et c'est eux que vous adressez avec Eco Impact. En partie, oui. Donc Eco Impact, c'est une société que j'ai fondée avec un associé. On est tous les deux ingénieurs spécialisés en packaging, donc on vient vraiment du domaine de l'emballage. Et on a une vingtaine d'années d'expérience dans différents secteurs d'activité, notamment les parfums cosmétiques et les vins et spiritueux. Et effectivement, on se rend compte que les habitudes vont vers ce que je disais tout à l'heure, une consommation linéaire, et alors qu'il existe des solutions pour aller vers une économie circulaire avec des forts bénéfices environnementaux. Sur la bouteille en verre, j'aimerais que vous me redonniez le pourcentage. Exactement. Et donc, du coup, quand on prend, si on prend l'exemple d'une bouteille de vin ou spiritueux, chaque année en France, on en consomme tous ensemble 4 milliards de bouteilles de vin spiritueux qui sont dans des contenants en verre. Et le poids environnemental d'une bouteille en verre, la bouteille en verre pèse pour plus de 70% de l'impact environnemental de ce produit-là que vous achetez. Alors le verre, il ne faut pas lui jeter la pierre. Au contraire, c'est un matériau qui est durable, qui existe depuis très longtemps. Mais par contre, c'est un matériau qui est réutilisable. Et donc notre offre, justement, c'est de mettre en place la réutilisation des bouteilles en verre dans une démarche d'économie circulaire. Pour ces marques de vins et spiritueux notamment, et puis on peut l'élargir évidemment bien plus largement, sachant que l'ADEME a documenté les bénéfices du réemploi des bouteilles en verre, c'est moins 76% de consommation d'énergie, moins 33% de consommation d'eau, c'est-à-dire même laver des bouteilles consomme moins d'eau que fabriquer des bouteilles neuves, et à la fin c'est moins 79% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un modèle très vertueux et notre offre est un peu innovante parce que nous, on accompagne les marques. Aujourd'hui, ce qui s'est passé entre la consigne il y a 30 ans et maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes d'écoles de commerce et de marketing qui ont prospéré. Et maintenant, la forme identitaire des bouteilles est très importante pour les marques. Et donc du coup, nous, on propose une solution de réutilisation qui permet aux marques de garder leur forme de bouteille et pas les obliger d'aller vers des bouteilles qu'on connaissait 3 étoiles à l'époque, mais qu'elles puissent garder une forme de bouteille qui les permet de se différencier. Wanel Régnier, l'emballage, c'est aussi un sujet que vous avez, qui vous a titillé depuis très longtemps, puisque vous vous êtes inquiété, vous voyez, en plus je dis bien le mot inquiété, au début des années 2010. Oui. Vous nous racontez l'histoire ? C'est une petite histoire un petit peu folle. C'est l'histoire d'une reprise d'une société qui était basée à Monaco, qui était créée en 71 et qui n'allait pas bien. L'idée était toute simple, c'était essayer de la reprendre, la redévelopper et surtout la sauver avec ses collaborateurs. Mais en prenant déjà un virage très important, le virage de l'éco-responsabilité, et aussi en travaillant sur la réintégration de la production en France, puisque 70% de la production était faite en Chine. Donc dès 2012, nous avons tout réintégré en France. Puis on a pris un autre virage, c'était imaginer le plastique autrement, et surtout imaginer le plastique autrement qu'à base de l'énergie fossile. Nous sommes mis à travailler sur des solutions un peu plus vertueuses, notamment
à base de canne à sucre pour justement imaginer des solutions qui allaient réduire de manière très très drastique les émissions de CO2. Un emballage traditionnel qui pèse à peu près 25 grammes va générer à peu près 60 grammes de CO2. On est aujourd'hui à quelques grammes. Alors c'est une aventure un petit peu folle parce qu'il y a 10 ans on m'a dit c'est beaucoup trop cher. L'impact était d'à peu près 25% sur le prix pièce. On m'a dit tu n'en vendras jamais. Et finalement, pendant des années c'était 1% de notre chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est 30. Et on continue justement à continuer à travailler sur des solutions qui sont encore plus vertueuses, que ce soit à base d'algues, à base de champignons ou autres, pour essayer de trouver des solutions à l'énergie fossile. Et puis dans la même logique, on s'est dit, bah, c'est très bien, on a travaillé sur les matériaux, maintenant il est peut-être un petit peu temps, en partant d'un postulat qui était très simple aussi, c'était de savoir que 8 millions de tonnes de plastique étaient déversées dans les océans chaque année, qu'1,3 milliard de nourriture sont gaspillées chaque année, bah, c'était de se dire, il est temps, parce que depuis 1960, l'industrie de l'emballage n'a pas développé de nouveaux produits, hormis le doypack et le pompote tel qu'on le connaît, qui s'appelle le doypack. C'est essayer d'imaginer un nouveau type de packaging, un mi-chemin entre un flacon de ketchup, un tube et un pompote, pour justement apporter une solution qui sera beaucoup plus vertueuse, qui générera beaucoup moins de CO2, et qui va permettre justement une consommation jusqu'à la dernière goutte pour essayer, je dis bien essayer, de régler cette problématique de gaspillage alimentaire et d'émissions de CO2 qui sont aujourd'hui très très importantes. Et donc vous avez créé donc un emballage qui se sert hein, de la, c'est le même format que la poche à douille qu'on a tous connue et qui donc peut être se mettre dans un sens ou dans l'autre et qui est utilisé pour la cosmétique, la maison et l'alimentaire aussi. Finalement, tout ce que l'on vient d'évoquer depuis cet après-midi sur l'industrialisation, vous y répondez aussi, c'est que finalement c'est de l'industrie, mais de l'industrie propre et qui sert des usages finalement du quotidien. Oui. Oui, c'est possible parce que aujourd'hui, il y a une vraie volonté de réindustrialisation, il y a une vraie volonté de souveraineté. Il est simplement intéressant, et tout à l'heure on en parlait avec un certain nombre de détails, c'est de se poser les bonnes questions. Parce que beaucoup d'industriels, j'ai travaillé longtemps dans l'automobile, j'ai vu le sourcing en Chine, on allait faire soi-disant des gains faramineux, etc. Moi là-bas, je suis logisticien, et la logique de prix de revient. On en parlait souvent, mais coût complet, on n'en parlait pas. Et c'est l'analyse que j'ai faite il y a 10 ans, justement, où je me suis dit, mais moi, je ne protège pas mes clients parce que j'ai des productions aujourd'hui qui ne sont pas conformes à ce que j'en attends. Donc, travaillons sur le coût complet, et je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas plus intéressant. Alors, effectivement, il y a 10 ans, on m'a dit, mais n'importe quoi, tu es complètement fou de produire en France. Ça va être beaucoup plus cher, et qui plus est, avec un matériau qui est encore plus cher lui aussi. Mais si on se pose les bonnes questions à un moment donné, puis si on travaille justement pour faire évoluer nos process, nos coûts, etc., on se rend compte qu'on peut faire la même chose. Dans le cas de Sempac, on s'est posé la même question, c'est de se dire, on va produire, puisqu'on a créé le produit, mais on a aussi développé les machines de A à Z, et on a travaillé aussi sur des matériaux qui soient plastiques, voire papier aujourd'hui. Et la logique était très très simple, c'est on ne pouvait pas produire ailleurs qu'en France. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse de cycle de vie dans sa globalité, on se rend compte qu'on a un emballage qui va générer 260 grammes de CO2 d'économie. C'est assez fou, on en met 24 000 dans un camion. On voit qu'on peut faire des économies. Alors, tendre vers le zéro, c'est à voir, mais il y a des pistes en tout cas. Ouais. Une question pour votre voisine, Nora Letoué. Vous êtes comme Guillaume, une DNVB, née sur le net. Oui, je ne suis pas fabricante de packaging. Pas encore. Mais j'en utilise. En tout cas, bravo. Quand on est justement, quand on est sur le net, donc on fait livrer. Hein, et la livraison, comment est-ce qu'on l'adresse? Parce que c'est aussi une problématique. Nolidieu est très axé aussi sur le Made in France, c'est une valeur que vous défendez. Donc finalement, aller jusqu'au bout, ça va aussi jusqu'à la façon de livrer, le paquet pour livrer, la livraison. Comment est-ce qu'on travaille? Alors c'est vrai que depuis le début, donc, j'ai voulu faire de la production locale le plus possible. On en parlera parce que ça dépend effectivement des spécificités des textiles. Moi je suis sur le textile de sport, donc je m'intéresse depuis pas mal de temps à l'éco-conçu. Donc maintenant, toutes mes collections sont faites à base de fibres recyclées. Donc c'est important d'être cohérente jusqu'au bout et que quand on livre
livrent les clients, on leur livre dans des packaging qui soient responsables. Donc effectivement, il y avait beaucoup de cartons dans l'e-commerce, il y en a encore beaucoup chez des e-commerçants célèbres aujourd'hui. Donc moi, j'ai voulu trouver une solution à ça et j'en ai deux aujourd'hui. Donc soit je livre en fait dans un packaging gratuit qui est élaboré à partir de la fécule de maïs, donc qui est compostable, on le coupe en petits morceaux, on peut le mettre dans son compost. Ou alors, j'ai une proposition, et ça c'est une start-up que j'aimerais mettre en avant, du Havre, qui s'appelle Ipli, qui propose des packagings qu'on réutilise jusqu'à 100 fois. Donc l'idée c'est qu'il y a une petite pochette, je pourrais vous en montrer si vous voulez, à l'intérieur avec une enveloppe T, et quand la personne reçoit son colis, elle la replie, elle le met dans l'enveloppe T, elle le met dans la boîte aux lettres, ça revient donc chez la société qui le nettoie et qui le met à nouveau en usage. Donc là c'était un packaging payant, donc je le payais un peu plus de 2 euros, donc j'ai proposé à mes clientes de partager, donc je prends 1 euro en charge, elles prennent 1 euro en charge, et lorsque j'organise des préventes, donc qui fait partie aussi de mon modèle, donc les clientes attendent plusieurs mois avant d'être livrées, bah elles sont tout à fait prêtes à mettre les 1 euro pour avoir le pack responsable qui va repartir à la poste et qui va être réutilisé 100 fois derrière. Donc finalement, ça paraît simple dit comme ça, est-ce que c'est simple, ça a été simple de le faire passer auprès des clientes? Parce que peut-être de dire je prends 1 euro à charge, je paye 1 euro, il y a aussi un côté psychologique qui fonctionne. Oui, alors du coup je propose deux options, parce qu'elles ne sont pas toutes prêtes à payer 1 euro de plus. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% qui prennent en charge ce packaging, comme l'autre est responsable. Mais oui, il y a un effort de communication à faire. Et là, je suis en train de retravailler sur un site internet pour mettre en avant ces solutions et que justement on comprenne davantage ce système de fonctionnement pour pouvoir en délivrer encore plus. Encore plus. Chez le slip français, on emballe comment ? Nous, c'est un vaste sujet qui a bien joué depuis 10 ans. Et juste pour remettre aussi en contexte, donc nous, on fait 600 000 produits par an, qu'on vend 70% sur notre site web. Donc, on envoie 120 000 ou 150 000 commandes par an. Donc, c'est beaucoup. Et juste pour illustrer deux secondes, dans notre métier de distribution, il y a un packaging primaire qui est vraiment ce qu'il y a autour du produit, et puis un packaging secondaire. C'est-à-dire, donc, on le met pour l'envoyer jusqu'au client. Le packaging primaire, nous, on a démarré avec des boîtes. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, ces jolies boîtes bleues qui étaient fabriquées en plus à Paris, cartonnage Laramé, une magnifique boîte vraiment à cartonnerie et avec un chouette métier. Nous, on a un vrai sujet, c'est que la boîte, elle était fermée, elle protège le produit, elle permet de le stocker, de le transporter facilement. C'est un bel objet cadeau. Et nous tous, hein, en tant que clients, donc c'est ça, on est tous, c'est très ambivalent de se dire d'un côté, on a envie de faire mieux, mais de l'autre côté, on est aussi clients. Et avec le temps, les gens qui étaient fidèles à la marque ont dit, mais en fait, moi, j'ai 10 boîtes chez moi, je m'en sers plus. Donc la première remarque qu'on a eue, c'était, voilà, et on pose souvent la question comment on peut s'améliorer, les gens nous demandaient d'enlever la boîte, ce qu'on a fait. Et c'était pas, voilà, ça paraît rien. Et en plus, on est une petite boîte, donc j'imagine quand on est une grosse boîte, de changer son pack, c'est compliqué, qui concerne tout le monde dans la boîte. C'est toujours des projets un peu compliqués à mettre en place, que les gens n'ont pas envie de prendre. Et je pense que voilà, vous voyez les OH de la tête quand ils se rendent compte voilà, que ça met du temps, c'est des projets compliqués. Et du coup, on a enlevé cette boîte bleue, c'était la première étape. On est passé sur un packaging papier beaucoup plus léger, recyclable, qui est dérivé des papiers Burda. Je ne sais pas si ça vous parle, les papiers de patronage textile, on trouvait ça cool de repartir là-dessus. Mais il nous faut quand même quelque chose d'assez étanche, d'assez solide, qui protège. Voilà, quand c'est stocké, voilà, il y a tous ces sujets. Et on est passé sur le packaging secondaire, sur un dérivé de plastique recyclable aussi. Et après, nous, ce qu'on est en train de regarder, on travaille avec EcoPack, qui est un équivalent d'Ipli, parce que Ipli, on les connaît bien, mais malheureusement, le packaging, enfin, l'objet en lui-même n'est pas fabriqué en France. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas commencé à bosser avec Portugal. Eux. Voilà, même si le process est très vertueux. Donc, on avait bossé avec EcoPack, qui malheureusement n'a pas réussi à équilibrer son activité, qui s'est arrêté il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc là, on est en train de se dire qu'on va les faire nous-mêmes, les contenants. Pour vous entrez un nouveau métier. Ouais, moi, j'aime bien inventer des nouveaux métiers. Et de se dire qu'en fait, nous, il y a un truc qui est dingue dans le textile, c'est l'upcycling. Donc, en fait, c'est toutes ces matières qui sont sur l'étagère qui n'ont pas été utilisées pour des prods. Et en fait, on peut réutiliser des fins de rouleau pour finalement refaire des packagings secondaires pour réutiliser et vraiment dans une démarche la plus circulaire possible. Et peut-être même proposer ça à d'autres. Mais tendre vers le zéro, vraiment pas facile parce que le packaging, il n'est pas que là pour faire beau, il a aussi une fonction de protection, de transport. Donc ouais, c'est un vrai sujet. Et on a aussi des packs qu'on est en train de mettre en place à base de dérivés d'algues. Ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis voilà, de se dire aussi que ça peut être collecté par des clients. Enfin, mmh. Voilà, imaginer des choses assez collaboratives. Mais en tout cas, le zéro, je pense qu'il est difficile à atteindre parce qu'il y a une fonction de protection. Et finalement, je pense que Martin ne va pas dire le contraire, c'est que dans le pourcentage que vous m'aviez donné quand on s'est parlé, c'est que la bouteille, c'est 70% d'un packaging global d'une bouteille qui serait emballée, et finalement, tout le reste vient après. Après, c'est l'étui, le bouchon,
Donc finalement, vous vous êtes, à un moment donné, vous pourriez aussi être confronté, enfin, vos clients être confrontés aussi à l'emballage. Il n'y a pas que une fois qu'ils auront réglé le souci de la bouteille en verre. Exactement, et ça veut dire, c'est pour ça qu'on parle d'analyse de cycle de vie, c'est pour prendre le cycle de vie complet et tous les éléments. J'ajouterai un autre élément qui est important, vous donner le tonnage des déchets. Il faut savoir que là, vous parliez des déchets ménagers. Les déchets qu'on appelle industriels, c'est en France 10 fois plus que les déchets ménagers. Mmh. Et notamment donc, dans l'industrie, l'essentiel des déchets industriels, je crois qu'il y a 50%, ça vient de tout ce qui est les matériaux de construction, etc. Mais l'industrie, auquel nous avons tous parti, représente autant de déchets industriels que les ménages pour leurs déchets ménagers. Donc ça veut dire que non seulement il faut regarder, comme vous disiez très justement, comment améliorer, puis vos initiatives sont très intéressantes, utiliser des emballages les plus optimisés possibles, réutilisables, etc. Mais il faut également regarder dans sa supply chain comment faire en sorte que les cartons que je livre à mes magasins soient réutilisés et pas jetés, parce que c'est ça qui génère aussi énormément de déchets et sur lequel il est important de travailler aussi pour les marques. Il existe aussi là des initiatives, je vais en citer une, c'est quelqu'un qui est à La Rochelle, ça s'appelle Carton Vert, je ne sais pas si vous connaissez, qui récupère justement ces cartons qui ont juste servi pour un transport logistique. Au lieu de les détruire, il faut les mettre à plat et il les met sur une marketplace où les gens peuvent racheter des cartons. Notamment en e-commerce, ils achètent beaucoup de cartons de tailles différentes pour emballer plein de choses. Et du coup, ça permet de réutiliser ces cartons. Et là encore, effectivement, on s'adresse aux autres éléments de packaging et aux déchets industriels. Quand on vous écoute, on a l'impression, vous dites que c'est pas simple, mais on a l'impression que c'est simple et que la solution existe. Est-ce que c'est facile quand on a développé une solution qui paraît la plus sobre possible et pourtant c'est difficile de se faire connaître, de faire connaître le packaging, d'aller voir les industriels Oui, c'est très très dur. C'est très très dur parce qu'on est sur des cycles de décision qui sont très longs déjà. L'emballage, c'est la dernière roue du carrosse. Ça nécessite des investissements industriels importants. Donc c'est vraiment ce qu'on va changer au tout dernier moment. Il faut aussi pouvoir faire changer les mentalités, les faire évoluer. Donc ça prend du temps. Et puis je crois qu'on est tous confrontés à une autre problématique. On est dans une logique de start-up industriel qui nécessite des moyens, des financements. Et c'est pas si facile, c'est très très long. Donc il y a un vrai marathon. Pour nous justement pour se faire sa place et proposer des solutions qui sont beaucoup plus vertueuses et qui ont vraiment du sens. Nora Lotway, même constat? Oui, bien sûr. Alors il y a la question du prix, on n'en a pas parlé, enfin, je parlais un petit peu de faire participer les clients, mais on a cette problématique de sont-ils prêts à faire l'effort? C'est une problématique qui touche aussi l'alimentation, on en parlait ce matin. Que ce soit en B2C ou en B2B parce qu'il y a un coût supplémentaire et moi, beaucoup de gens me disent, mais si ça change, alors ça change pour une partie de la population, et puis il y en a une autre qui, je crois que Guillaume en parlait tout à l'heure, qui n'est pas prête aujourd'hui à mettre le prix pour ça. Donc c'est compliqué. Donc c'est un sujet aujourd'hui. Puis l'emballage, ça touche aussi tout un secteur et une boucle. On parlait de l'analyse de cycle de vie, comme le bilan carbone. Ce sont vraiment des éléments aujourd'hui qui doivent être clés dans la prise de décision de l'industriel de changer. Aujourd'hui, certains industriels se focalisent plutôt sur le scope 1, le scope 2, le scope 3. Ça crée justement beaucoup de greenwashing. Ça crée une perturbation aussi dans la tête du consommateur. Donc il y a beaucoup de composantes à prendre en compte et beaucoup de secteurs aujourd'hui doivent aussi s'impliquer. La révolution dans l'emballage, elle passe aussi par le recyclage. On parle beaucoup de choses, il y a des matériaux qui sont très vertueux, notamment à base d'algues, mais qui demain ne pourront pas être recyclés. Donc il y a aussi toute la filière du recyclage qui doit travailler, accélérer justement. En fait, c'est une réflexion qu'il faut avoir sur le long terme, un peu ce qu'on a expliqué dans le textile. Oui, Martin, calme-toi. Oui, et pour aller un peu plus loin... Le plus dur pour mettre ça en place, c'est le management du changement. C'est-à-dire que les gens ont eu des habitudes de travailler dans un flow linéaire et du coup, il faut arriver à leur faire prendre conscience où sont les vrais enjeux. Quand on s'était appelé, on avait échangé notamment sur une marque qui travaillait pour améliorer ses étiquettes. C'est sympa de travailler sur les étiquettes. C'est une marque qui est dans les vins spiritueux anisés, pour ne pas la citer, et qui a annoncé effectivement un test sur les étiquettes digitales.
Donc c'est très bien, mais si on n'adresse pas le point bout, de la l'étiquette. Bouteille, voilà, c'est je un crois si je reprends votre pourcentage, c'est quoi, c'est 5% l'étiquette? Oui, moins, ça doit être autour de 5%. Donc il faut s'adresser aux vrais enjeux. Et ensuite, du coup, dans ce management du changement, ce n'est pas que les marques seules. Effectivement, on parlait tout à l'heure du législateur, mais il y a aussi l'ensemble de la supply chain qu'il va falloir modifier pour se mettre dans une démarche d'économie circulaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec des marques comme les vôtres qui sont très moteurs là-dessus. Et il faut aussi la conviction et la persévérance des décideurs, des donneurs d'ordre pour qu'eux aussi se mettent dans cet état d'esprit en se disant on va pas, l'idée c'est de pas, justement de ne pas faire mourir les marques, mais qu'au contraire elles adaptent leur modèle pour être beaucoup plus résilientes et beaucoup plus sobres en consommation d'énergie, de déchets, etc. Quand on intègre un nouveau métier, vous y avez vraiment réfléchi ou c'est juste une idée pour l'instant? Parce que ça veut dire que vous avez aussi pris en compte les problématiques. On commence à faire des prototypes et tout ça. Ah oui, donc vous êtes déjà bien avancé. Mais je pense qu'il y a aussi un truc. Enfin, nous, depuis le début, on est très pragmatique. Et là, moi, je pense que ce qui fait bouger les choses, c'est la crise qu'on est en train de vivre, hein, quand même, pour en dire deux mots. Quand l'énergie coûte plus cher, le transport coûte plus cher, qu'il y a un score environnemental qui arrive sur les produits, qui vous dit qu'en fait, votre packaging méga balèze, en fait, déjà, il vous coûte vachement plus cher quand vous arrivez à l'acheter, qu'en transport, il vous coûte plus cher, et qu'en plus, il fait baisser votre score environnemental. Au bout d'un moment, ça aide à passer le cap, de se dire « Ok, je vais le faire un peu différemment », mais c'est vrai, c'est ce que je disais au début, changer un packaging qui marche pour une entreprise dans le contexte actuel d'inflation, de concurrence, de voilà, le contexte économique quand même autour de nous, il est quand même ardos, quoi. Cette fin d'année et l'année prochaine, ça va être très compliqué. Moi, je vous donne un exemple. Dans notre métier en amont, chez les tisseurs, tricoteurs, ce sont des gens dont l'énergie, et j'en parlais avec quelqu'un là-bas tout à l'heure, l'énergie pèse normalement 6-7% de leur chiffre d'affaires. 1er janvier 2023, il y a beaucoup de contrats qui vont se renouveler, ça va peser 36% du chiffre d'affaires. Donc en fait, là, vous n'êtes plus en capacité de vous dire « Ok, on va peut-être améliorer le packaging, là, c'est plus la priorité number one ». Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu l'opportunité du moment dans la crise, mais il y a aussi vraiment, faut en avoir conscience, un contexte macro pas facile à naviguer. Donc quand on est chef d'entreprise, arriver à mettre les priorités dans le bon sens et de se dire « Ok, on change le pack alors que ça fait chier les clients et ça fait chier tout le monde en interne », il faut tenir bon. Alors, oui. Ah, je confirme. Oui. À 300%. Oui, Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour se faire entendre? Puisque finalement la solution, elle existe, en tout cas elle s'en approche. On a bien compris que peut-être que le zéro carbone, ça va être très compliqué parce qu'il y a des éléments qui sont indépendants et que tout étant lié, s'il n'y a pas toute la chaîne de valeur qui est zéro carbone, c'est compliqué. Mais quand on a une solution comme la vôtre, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous soyez entendu et que vous arriviez à vous développer, puisque finalement la solution, elle existe? Il y a deux axes. Le premier axe, c'est les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, les industriels, parce qu'on fait du B2B. Mais c'est aussi donc être en mesure de leur montrer en quoi ils vont répondre à leurs propres obligations, notamment sur la gestion du déchet, les coûts liés à l'emballage et autres, mais aussi en quoi ils vont apporter une vraie solution beaucoup plus vertueuse aux consommateurs. Donc aujourd'hui, nous, on travaille vraiment sur ces deux axes-là pour justement informer. Alors, la difficulté, c'est que après avoir connu le plastique bashing, aujourd'hui, on est tombé en plein greenwashing. J'espère sincèrement qu'on va arriver à condamner, parce qu'on perd de plus en plus les consommateurs. Et aujourd'hui, les consommateurs, ils sont même maintenant en retrait sur certains sujets. Donc, il faut vraiment aujourd'hui qu'on soit à même de donner l'information et qu'elle soit vérifiée et vérifiable aux consommateurs pour qu'ils puissent avoir la bonne information, qu'ils puissent prendre la bonne décision. Et qu'il accepte peut-être un surcoût ou de revoir un petit peu son mode de consommation de façon à ce que lui-même ait un impact aujourd'hui sur ses propres émissions de CO2. En tout cas, ce qu'il génère. Est-ce que la solution, quand on est une DNVB et qu'on se lance dans les... Donc, Nolidu est présente dans des points de vente, hein, dans des pop-up stores parfois, au BHV en ce moment encore à Paris, à Cap 3000 ici pour ceux qui connaissent. Est-ce que finalement, de passer par une présence physique, c'est vous réduisez l'emballage du coup?
Alors, moins d'emballage. On réduit une partie de l'emballage, on se retrouve avec des emballages carton. J'ai eu le souci, là où j'ai envoyé des colis sur Paris, et on m'a dit, mais pourquoi tu réutilises tes colis? ça ne tient pas, en fait, plus de deux allers-retours. Donc je confirme, donc je me suis retrouvée confrontée à ça, et j'ai pas trouvé les solutions. Donc oui, il y a moins de packaging, mais je vais être obligée de commander des colis neufs, puisqu'effectivement, les miens ne tiennent pas la route jusqu'à Paris. Mais donc il y a aussi une problématique de la solution? Toutes les solutions ne se valent pas. Non, alors il y a moins d'emballage. Donc aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, c'est encore plus sur le net qu'en point de vente physique. Mais de toute façon, je suis persuadée qu'il y a une complémentarité à être en physique versus être uniquement, en tout cas sur des produits comme les miens, où c'est tactile parce qu'il faut les toucher. On est sur des matières un petit peu nouvelles. Donc j'ai cette complémentarité qui est nécessaire. Donc j'espère que cette part du physique va grossir et que ça me permettra d'économiser aussi le reste des emballages. Mais j'essaye en tout cas sur les emballages e-commerce d'être le plus vertueuse possible. Bon, Guillaume, oui, et Martin et après Guillaume. Non, je voulais rebondir sur ce que oui. Guillaume te disait tout à l'heure sur le fait que effectivement c'est dur à mettre en place, mais après, on a deux manières de voir la crise qui est en train de se passer. C'est soit on considère que c'est une crise conjoncturelle, on se dit bah, c'est lié à la guerre en Ukraine, c'est lié à des éléments et ça va passer, donc on fait le dos rond et puis on accepte des hausses de prix un certain temps. Soit on se rend compte que la crise est vraiment structurelle et auquel cas bah, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire qu'il va falloir aller vers de toute façon une diminution de nos consommations d'emballage, de produits, etc. Et effectivement, alors ce qui est sûr par contre, c'est qu'une marque comme la vôtre n'est pas là pour développer forcément du packaging. Il y a des gens comme moi qui peuvent vous accompagner parce que justement, c'est un métier vraiment complexe sur lequel il y a aussi des fausses bonnes idées, il y a des idées reçues sur certains aspects. Donc il faut éviter de quitter un piège pour sauter dans un autre. Mais tout ça, voilà, c'est un élément qui quand même, il me semble très important à prendre en compte parce que ça fait partie du modèle durable de sobriété vers lequel on doit aller. Quoi. Je crois que c'est très important ce que vous venez de dire, de ne pas sauter d'une solution à l'autre. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que depuis la réglementation, depuis la COP21, depuis le Covid aussi, depuis les objectifs pour 2025, 2030 et 2040, il y a une vraie volonté aujourd'hui de chercher des nouveaux matériaux, des nouvelles solutions, etc. On veut réinventer plein de choses. Et on est en train de créer aujourd'hui des nouveaux matériaux qui seront probablement encore moins vertueux que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on veut tout modifier, mais on est en train de faire des pornes arrière. Confondre vitesse et précipitation, finalement. Oui. C'est comme le cuir vegan. Ouais. On cherche d'alternatives au cuir et on crée des cuirs vegan qui sont en fait des dérivés de plastique. En fait, et on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on achète. Il y a une flambée en ce moment sur le packaging en papier, mais on est en train de le mélanger avec du plastique qui sera encore moins bien recyclable aujourd'hui qu'un plastique traditionnel ou le papier. On voit des solutions qui émergent aujourd'hui et si on fait l'analyse du cycle de vie dans sa globalité, on se rend compte que c'est absolument pas vertueux. Mais on a une bonne équipe marketing, on a une bonne équipe de communication et ça va permettre de vendre. Donc, oui, parce qu'il y a un momentum aussi, donc du coup il y a des consensus. Exactement. Alors, quand on en est où de cette recherche et de ces tests? Bah, de toute façon, j'aime bien finir avec des vraies phrases de bon sens. Le vrai bon packaging zéro, c'est quand on n'en met pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est, à terme, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on limite au maximum, qu'on l'utilise que dans les vrais cas d'usage où il y en a besoin. Et moi, je finis sur un dernier truc. Je pense que c'est comme sur convaincre sur le Made in France, sur le local et tout. C'est bien par les arguments rationnels, mais il faut donner envie et faire de la vraie innovation où les gens se disent en fait, c'est tellement cool que c'est ça que je vais utiliser, B2B ou B2C. Et à la fin, c'est ça qui fonctionnera et qui donne envie. Et je pense que ce côté désirable, il est vrai pour une marque, mais il est vrai aussi pour un procédé, une inno. Et quand on réfléchit, voilà, les vrais trucs qui sont adaptés à l'échelle sont des choses qui sont fonctionnelles. Enfin, l'iPhone, quoi, c'est juste, ça marche mieux que les autres, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut faire dans le pack. Donc, rester à l'échelle, c'est ce qu'on va retenir de cette table ronde. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Et Merci à vous. Refait une pause d'innovation avec Laura Tenji et des solutions innovantes. Merci. Merci beaucoup.